l'étranger et dans quelques jours, Rodrigue, pour commémorer les 18 ans de l'autonomie de Rodrigue, de la mise en place du Rodrigue Regional Assembly et outil partie prenante de sa PAC institutionnelle et constitutionnelle, il faut nous rappeler, et qui bonne réflexion ou capable partager aujourd'hui 18 ans après. Nous faisons plus que partie prenante, beaucoup plus que partie prenante, hein, parce que et nous, et OPR, nous y croyons profondément dans l'autonomie. Donc beaucoup plus que partie prenante. Qui fait, dans le cadre du MMM, ben c'est parce que l'autonomie, dit comme d'autres aspects de la démocratie. Nous sommes fanatiques de la démocratie, et un aspect qui nous considère fondamental, qui nous considère fondamental, c'est l'autonomie de Rodrigue. Mais il n'est pas une coïncidence non plus qui nous amène la loi pour l'administration régionale à Maurice, pour donner le maximum de pouvoir décentralisé à une administration régionale à Maurice. Mais Rodrigue, il dit plus que ça. Parce que, voici, nous avons un profond respect et amour, mais un profond respect pour Rodrigue, le peuple de Rodrigue. Et je t'y mérite pleinement construire notre propre autonomie. Donc, beaucoup plus que partie prenante. Nous, t'y prends la précaution, si vous êtes capable de dire, pas seulement pour voter la loi, un bill, la loi ordinaire en faveur de l'autonomie, le Rodrigues Regional Assembly Act. Mais nous tiens la Constitution, et beaucoup de gens ont oublié ça, nous tiens la Constitution de façon à ce que l'autonomie de Rodrigue lit dans la Constitution. Parce qu'il y a une loi ordinaire, une simple loi, ben capable de réussir avec une simple majorité au Parlement. Alors que quand nous faisons mettre l'autonomie de Rodrigue dans la Constitution, besoin d'une majorité prévue par la Constitution pour sans lui ou pour abolir lui-même. Donc, il ne fallait pas oublier ça. Qu'il y a un texte de loi, mais avant le texte de loi, il y a l'amendement de la Constitution, et ensuite il vote la loi cadrée avec l'amendement constitutionnel. Nous, tu prends la précaution aussi, et c'est avec beaucoup de tristesse qui me rappelle Antoinette Prudence. C'est une dimension extraordinaire. Un exemple. Moi-même, moi, j'ai suggéré, quand nous prenons au gouvernement, en 2000, moi, j'ai suggéré qu'Antoinette aille comme ambassadrice de l'île Maurice, de Rodrigue, à Paris, en France. Il se prend le temps de la réflexion, il consulte Dimoun, après, il nous fait nous connaître qu'ils n'ont au service de Rodrigue avant tout. Mais il dit quelque chose d'extraordinaire quand on pense à ça. Il est vraiment extraordinaire. Quand il est décédé, bien, bien triste, c'est aujourd'hui encore. C'est comme moi, si je me fais oublier, je m'oublie devant moi. Nous faisons prendre la peine, donc, qu'il y ait une délégation dirigée par l'ancien juge Oberani, mais avec Antoinette Prudence dans la délégation, finale jusqu'à Trinidad et Tobago. Parce qu'il vient nous inspirer, nous, des autres expériences pour faire mieux ou pour corriger ce qui vient corriger. Donc, sa délégation-là, il fait un travail formidable. Il prépare l'amendement constitutionnel et la loi, l'autonomie de Rodrigue. Extra. Par la même occasion, la loi, Rodrigue, fin faire pour Rodrigue la réforme électorale qui, depuis 30 ans, 40 ans, le MMM essaye faire à Maurice, mais qui est bloqué par le MSM. Une dose de proportionnelle, et dans le cas de bonne recommandation de l'ex-juge Annie, c'est une très forte dose, étant donné la grosseur du Parlement Rodriguez, de l'Assemblée régionale Rodriguez. Parce qu'à travers le monde, il y a un débat qui continue, ça, hein, qui dose de représentation proportionnelle nous a introduit pour que la démocratie vraiment fonctionne. L'ancien juge Annie et les autres membres, y compris Antoinette, de la délégation, fin propose un maximum. Et nous avons un peu de problème avec ça parce que plus l'Assemblée régionale, un Parlement régional petit, et plus un changement de un ou deux
dans la distribution politique capable de bouleverser. Mais nous finissons à apprendre beaucoup aussi de sa façon qu'il finit d'introduire démocratie, réforme électorale à Rodrigue. Nous à l'île Maurice, nous avons beaucoup à apprendre de cela. L'autre mot qu'il m'a fait, c'est qu'il bien guette l'autonomie de Rodrigue comme une quelque chose à évoluer. Non, il n'y a pas parfait sur la terre, nous tirons une leçon devant les rêves, devant les difficultés, et nous améliorer. Et moi, je regrette l'autonomie de Rodrigue comme ça. Certainement, bien amende, après tout ça, l'expérience-là, bien amende le Rodrigues Assembly Act, mais aussi, possiblement, même amende la Constitution, si tombe d'accord, et si on a la majorité requise de deux tiers qui est nécessaire pour amende sa clause-là, dans la Constitution. Donc on pensait que oui, il y a une occasion là, quand on peut célébrer l'anniversaire de l'autonomie de Rodrigue, de revenir avec une réflexion. C'est moi là, bien arrête de causer, bien propose quelque chose de concret, quel amendement, quel pouvoir additionnel nous donner à l'Assemblée régionale, quel rôle additionnel ici à Maurice, l'Assemblée régionale de Rodrigue, bien il a. Donc là, il arrive là, pour venir avec une proposition concrète. On espérait que ça débat là, doit terminer avant que Rodrigue célébrait son 20e anniversaire de son autonomie. Moi, fier que le MMM et moi-même, nous finissons plus que partie prenante avec l'OPR, nous finissons donner à Rodriguez quelque chose qu'ils ont mérité pleinement, qu'ils ont mérité plus qu'ils avaient, c'est-à-dire une vraie autonomie. Et moi, bien ajouté aussi qu'il. Et tu penses même à Galéga, parce que bien sûr, quand nous prenons l'île Maurice avec sa population, nous pas une superpuissance, mais nous avons la population qui nous est là. Rodrigue, c'est Rodrigue avec sa bonne spécificité, sa richesse, mais à Galéga aussi, mérite une considération. Pour bien, à Galéga, pour approfondir davantage encore la démocratie à Maurice, je viens avec bonne proposition pour Agaléga aussi. Il n'est pas pour vous parler exactement, copier le Rodrigue, non. Mais nous ne faisons pas oublier Agaléga aussi quand nous causons autonomie régionale. Moi, j'espérais qu'il y a un peu longtemps qu'il ne va pas une ligne, à Rodrigue. Et moi, j'espérais qu'à l'occasion, pas à l'anniversaire, là, probablement, mais dans le prochain avenir, moi, j'ai l'intention, le MMM a l'intention de marquer sa présence dans le respect et dans l'amitié. Pardon.